Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. On est mardi, oui, d'accord, ok. Le 29, ah, je suis là, 29 novembre 2022, il est 16h55. Mais j'espère que vous allez bien. Merci pour l'intérêt que vous portez à chaque fois que je poste une vidéo, puis tous les commentaires que vous me mettez, tous vos partages. Dernièrement, nous avons partagé sur... Oh, ça y est, je commence à oublier mes mots, j'ai à peine commencé. Oh, sur l'état dans lequel se trouve le capitaine. Donc j'ai partagé ce que je savais en communauté. Donc allez voir, je vais essayer de pas trop dire de choses parce que j'ai pas... Voilà, j'ai une idée en tête, je vais vous la soumettre et puis vous me direz, d'accord? Donc voilà, on continue d'échanger, on continue de se tenir informé. Moi, je suis en ce moment. Alors, j'ai mis un petit peu. Vous savez que jusqu'à maintenant, en fait, j'allais pas trop. Ben, j'ai pas de télé déjà. J'ai pas de depuis plusieurs années déjà. Et donc, c'est vrai que les infos, je les ai pas de la même manière que vous. Donc, je vais chercher un petit peu sur Internet. Mais sur Internet aussi, on peut tomber sur des choses, voilà, qui sont pas forcément vraies. Donc, je commence à m'habituer un petit peu à aller chercher les bonnes informations. Chez des personnes qui sont informées, où il y a de la source d'information. Et là, je commence vraiment à avoir un petit peu ce rythme de savoir où est-ce que je vais aller chercher ces informations. Ok? Mais là où ça me frustre un petit peu, parce que je sais que nombreux et nombreuses d'entre vous n'avez pas accès forcément à Internet, n'avez pas non plus le temps ou l'envie d'aller sur certains réseaux parce que bah, ça demande voilà un petit peu de connaissances et puis c'est vrai que des fois c'est un peu pénible pour s'inscrire, pour créer un compte, on sait pas trop où aller donc ça met un petit peu du temps. Donc je me suis posé cette question. Moi je suis sur beaucoup de réseaux sociaux en tant qu'Angèle Tarot, simplement en tant qu'Angèle Tarot, sauf sur Face. Hook, où c'est mon compte personnel, mais je vous avouerai que les informations sur ce réseau, c'est nul, nul, nul et nul. Hein. Franchement, voilà. Donc ça, de toute façon, ça reste mon compte perso. Mais même si je veux aller chercher des informations dessus, franchement, je trouve pratiquement rien, plus rien. Donc je vais plus sur l'oiseau, je vais plus sur VK, je vais plus sur les recommandations aussi que vous me faites parfois, vous m'envoyez des liens, des choses comme ça, ou que je vais regarder, ou des vidéos. Donc en ce moment, je suis beaucoup sur VK et le petit oiseau. Et tweet tweet, ok. Et là, j'ai réussi à me créer, si vous voulez, une petite communauté de journalistes, d'avocats, de médecins, et les informations me paraissent justes. Il y en a certains d'entre eux que vous connaissez, évidemment, et donc j'aimerais pouvoir vous les partager. Mais je sais que si je vous les partage ici, il va y avoir un souci. On est d'accord là-dessus. Donc voilà l'idée que j'ai eue. Vous me direz si vous êtes OK ou pas, parce que je le fais pour vous, parce que je ne peux pas garder ces informations pour moi, vous voyez. Alors je les partage évidemment sur mes comptes, mais comme je le disais au début, peut-être que vous n'avez pas accès à ces réseaux sociaux, par envie, par manque de temps, enfin peu importe, c'est pas le problème. Et donc je me sens un petit peu frustrée par rapport à ça. Donc l'idée que j'ai eue, si vous le voulez, ce serait que vous m'envoyiez un mail. Vous avez mon mail dans la description. Vous me mettez dans ce mail, je suis OK pour faire partie d'une liste de diffusion et de recevoir des informations. Je suis OK, d'accord, hein, pour faire partie d'une liste de diffusion et recevoir les informations de Angèle Tarot, par exemple. OK, moi je crée une liste de diffusion, d'accord. Donc vous serez, je ne sais pas, 4, 5, 10, 20, 30, j'en sais rien. Et toutes les semaines, je vous ferai une petite compile. Une ou deux fois par semaine, je sais pas, suivant le temps, suivant les infos aussi. Alors ça sera pas tous les jours parce que sinon votre boîte mail elle va exploser et puis ça sera plus du tout, il y aura pas d'impact. Donc ça sera vraiment que une fois, voire deux fois si vraiment l'info est urgente. J'essaierai de vous faire en milieu de semaine, comme ça on est à peu près, voyez, par rapport à ce qui se passe à peu près au courant. Et je vous ferai une petite compile de ce que moi j'ai trouvé et les infos qui me semblent pertinentes et sur lesquelles on devrait réfléchir. Est-ce que ça vous va ou pas? Mettez-moi tout ça en commentaire.
Évidemment, les premiers que j'inscrirai dans cette liste seront mes abonnés, évidemment, depuis longtemps. Ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, voilà, on va rester quand même un petit peu, on va se sécuriser, d'accord? Hein, c'est important. Vous, votre rôle, ça sera de lire les informations, de prendre celle qui vous semble plus pertinente, celle qui vous paraît, oui, la plus pertinente, et à votre tour de l'envoyer à un cercle de confiance, à des amis, à de la famille, peu importe, et ainsi de suite. Et je pense que de partager comme ça peut avoir quand même un impact et peut-être faire commencer à ouvrir les yeux pour certains. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais absolument pas si mon idée elle est bonne. Elle a fleuri dans ma tête ce matin. Donc peut-être qu'il faut la retravailler, j'en sais rien. Mais je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires et pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Et je pense que c'est, pour moi, je pense que c'est une bonne idée, mais peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Donc le but, c'est de m'envoyer donc un mail. Le mail est dans la description. De m'envoyer un petit mot. Je suis, voilà, vous mettez votre pseudo que je vous reconnaisse. Et je suis d'accord pour recevoir, pour apparaître dans la liste de diffusion, pour recevoir des informations de Angèle Tarot. OK? Et moi, je vous mets ça dans une. Je vous englobe dans une liste et vous recevez ça. Et après vous, votre job, c'est de l'envoyer à 10 ou à 20 personnes. Pas trop, mais des personnes de confiance. Surtout, ou des personnes pour lesquelles vous sentez qu'ils commencent à ouvrir les yeux, qu'il leur manque pas grand-chose pour basculer du bon côté, j'ai envie de dire. Et voilà, bon, j'ai parlé longtemps, mais il fallait que j'aie cette explication bien au point. Nous allons parler justement des endormis. Je ne savais pas trop pourquoi. Alors là, vous voyez par exemple, je me dis qu'il y a encore des gens qui dorment, quoi. Et comme il y en a l'une d'entre vous qui m'a mis, mais ils ne dorment pas, Angèle. Ils sont dans le coma, oui, je confirme. Il y en a qui sont vraiment dans le coma. Parce que quand je vois les infos que j'ai sur TweetTweet, ici, et je me dis, mais il faut diffuser ces infos, parce que c'est pas possible d'entendre ça. Hein? Voilà, là, il y a plein de choses sur la Vax-Vax qui dit que oui, tous les docteurs savent que ça ne protège pas, que ça ne sert à rien. Alors pourquoi ils continuent? Vous voyez qu'il y a de plus en plus de décès, que sur M et les Minimoy, ça va pas si bien que ça, puisque voilà, il commence à y avoir des soucis avec le mec qui sait, hein, et par rapport à l'argent qui a été détourné. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et puis le chanteur de YouTube. YouTube, voilà qui. Enfin, non, mais j'ai lu des choses sur lui là récemment. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais on est dans un grand théâtre là, les amis. Il y a un grand théâtre. Les comédiens, les musiciens, les politiques, et vas-y que ça se passe des Oscars à droite à gauche, et vas-y que. Mais qu'est-ce que c'est, quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Mais plus personne n'a sa vraie place, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'un acteur d'une série bidon peut devenir président. Mais déjà, rien que ça devrait ouvrir les yeux aux personnes, aux gens. Enfin, je sais pas. Le chanteur, là, qu'est-ce qu'il fait, lui, à dire que M est un mec formidable, qui dirige super bien? Mais il disait qui, lui? De quoi je me mêle, hein, déjà, de quoi je me mêle. Et j'apprends par la suite sur un article que en plus il est adepte, donc ce chanteur, d'aller sur les îles d'Epstein. Hein, vous avez compris le reste. Enfin non, mais oh, ça suffit maintenant, ça suffit. Donc ouais, je suis un peu. Je pose mon ordi, les amis. Je suis un peu. Enfin, de plus en plus choquée, quoi. Et je me dis, mais. Ben, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Hein. Mais en même temps, je me dis, c'est normal. Parce que par rapport à la vidéo d'hier, d'ailleurs, je dis, on le savait, hein, qu'à un moment donné que ça allait tomber. Parce que dans notre tête, on se dit, mais c'est pas possible, ils ne vont pas le faire. Parce que nous sommes des bienveillants, les amis. On est des bienveillants. Donc forcément, en tant que bienveillants, on ne peut pas s'imaginer que des gens peuvent faire autant de mal, que des gens peuvent appartenir à ça. Parce que nous sommes des bienveillants et qu'on ne peut pas se l'imaginer. Alors non, on n'a pas les, on n'est pas des endormis, mais on est des bienveillants. Okay? Donc ça, il faut le retenir quand même. Donc non, ce n'est pas de notre faute si on en est arrivé là. C'est juste parce qu'on est bienveillant, parce qu'on a les yeux ouverts, parce qu'on ne pense pas que la nature humaine peut être aussi méchante. Alors ça peut, on peut dire
qu'on fasse partie un petit peu, comment on appelle ça, des. Ouais, on est des personnes innocentes, mais voilà, non, on est bienveillant. Donc, forcément, en tant que bienveillant, on ne peut pas s'imaginer le mal. Ça rentre pas dans notre. Voyez, dans notre personnalité, dans notre comportement, dans notre corps, dans notre tête, etc. Ok, j'ai fini. J'ai l'impression d'avoir fait. comment on appelle ça, un discours. Mais non, j'ai pas fait de discours, c'est juste que là, voilà, j'avais besoin de raconter tout ça. Puis pour vous dire qu'il faut tenir le coup, les amis, on va pas lâcher. Oh, on va pas lâcher, c'est pas possible. Non, non, hors de question. On est bienveillant, mais on n'est pas bête, d'accord? Déjà. Donc on va aller voir les endormis, ceux qui sont dans le coma, hein, quand est-ce qu'ils vont se réveiller, comment, pourquoi. On va aller voir ça. Et on va aller voir ça avec. J'ai pas réfléchi encore. J'en ai tellement des jeux. Enfin, j'en ai tellement, je sais qu'il y en a qui en ont plus que ça. Mais moi déjà, ça me suffit. On va aller voir avec la triade, puisque mes yeux ont été posés un peu plus longtemps sur lui. On va faire. Allô, c'est l'heure de se réveiller. Hein? Il est l'heure. Il est l'heure, mon seigneur. Ça vous rappelle pas un film, ça? Il est l'heure, mon seigneur. Il est l'heure de se réveiller. Avec Louis de Funès et Yves Montand, la folie des grandeurs. Ben c'est ça, on est un petit peu comme ça. Il y en a qui vivent vraiment dans la folie des grandeurs. La triade me donne sa bénédiction. Évidemment. Merci beaucoup, la triade. J'espère que la lumière est bonne. Nous allons attaquer le tirage. J'ai parlé 11 minutes, les amis. Non, mais je vous dis que je vais finir par faire des post-4. Des post-4. Des post-4. Oh, je sais pas comment on dit. J'ai un homme là qui vient de sortir. Ok. Oui, bah, l'humanité, l'homme en général. Hein. Alors, la triade. On parle bah, des hommes et des femmes qui dorment depuis déjà un petit moment, qui ne veulent pas se réveiller, ou qui ne peuvent pas, ou qui ont peur de se réveiller en tout cas. Et bah, justement, on va aller poser cette question. Pourquoi est-ce que les gens ne se réveillent pas? Pourquoi est-ce qu'ils n'ouvrent pas les yeux et qu'ils affrontent la vérité? Pourquoi est-ce que ces gens dorment encore? Allez, pourquoi est-ce que les gens dorment encore? En trois cartes. Bah oui. Alors, pourquoi les gens dorment encore? D'après la triade. Et d'après mes ressentis, on a ici une espèce de fusion avec le mental. Donc, on parle bien des endormis, on parle bien d'une partie du cerveau qui est endormie. Hein. Le M me fait penser à mental, la fusion me fait penser à quelque chose qui rentrerait à l'intérieur de leur mental, qui fusionnerait et qui les empêcherait de penser. Parce qu'ils ont la trouille. Ok? Et les gens qui sont dans cet état-là d'hypnose, si je peux, oui, je peux me servir de ce mot, qui sont en état d'hypnose, en fait, sont presque dans un état végétatif, dans un état de mort cérébrale. C'est hyper fort ce que je dis, mais c'est exactement ce que je ressens, d'accord? Donc je l'avais mis à l'envers comme ça. Donc là, la triade me dit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est, hein? Qui est rentré, cette chose est rentrée dans le mental de ces personnes-là. Ils sont en état ici comme de mort cérébrale. Ils ne peuvent plus penser par eux-mêmes. Ben pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est leur état, ok, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent plus penser par eux-mêmes? Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête qui fait qu'ils ne peuvent plus penser par eux-mêmes? Ben regardez. Contrôle, contrôle, hein, mes amis. Ben oui, hein. Contrôle, ils sont contrôlés par l'illusion. Ce tirage est magnifique. Vraiment, j'adore. Il est vraiment en phase avec le sujet dont on parle. Et on a les réponses. On le savait déjà, mais là, voilà, on sait. On sait qu'il y a quelque chose dans leur cerveau. C'est vraiment quelque chose de physique, presque. Quelque chose qui. Enfin, de physique, vous m'avez compris, c'est quelque chose d'invisible, mais qui joue sur le physique, sur le mental, sur ces personnes un petit peu qui réagissent un peu comme des robots, comme des automates. Ils font exactement ce qu'on leur demande de faire. Ils sont contrôlés de l'intérieur. Et on leur balance que des illusions. Ok?
Allez, je voudrais une petite synthèse, si tu peux, la triade. Ah, alors ça c'est super. Ah, et puis là j'ai une grande bouffée de tristesse qui arrive là, vraiment. Je ressens c'est. Et alors il se trouve que ces personnes-là, en fait, ont des moments de lucidité. Et pendant ces moments de lucidité, pardon, ils ne pensent qu'à une chose et ils pensent à faire leur mea culpa. Alors je ne parle pas des grands, je parle vraiment des citoyens, d'accord? Je ne parle pas des grands chefs, vaudous, gourous, machin, tout ce que vous voulez là. Du grand gourou, voilà. Je parle vraiment de ceux qui font partie du peuple et au fond d'eux ils savent. C'est comme si au fond d'eux ils savaient que ce qu'ils sont en train de faire c'est pas bien que ça, et ils aimeraient pouvoir demander pardon et en même temps ils pensent que c'est trop tard. Donc à nous de leur dire non, ce n'est pas trop tard, tu peux te réveiller. J'ai énormément de Je ressens énormément de tristesse venant de leur âme. Et j'ai repris mon discours, les mots, mais j'ai les yeux humides, mes amis. Parce que là, je ressens vraiment quelque chose de très très fort venant de certains d'entre eux. Il y en a beaucoup qui regrettent. Qui regrettent, mais qui se sentent finis, perdus. Qui n'ont plus la possibilité physique et psychologique de lutter. J'essaie de me concentrer encore un peu plus, mais c'est les premiers mots qui me sont venus là, en ressentant leur tristesse. J'ai la voix qui baisse un peu parce que je ne voudrais pas effrayer non plus. Et je voudrais qu'ils viennent à moi sans avoir peur. Et s'ils ont un message à dire, s'il y en a qui sont. Alors, ça peut être évidemment des gens qui sont connectés. C'est pas forcément. C'est vraiment de tout milieu. Hein. Il y a des gens qui sont connectés, il y a des gens qui sont dans la spiritualité. Il y a des gens qui essayent de se raccrocher à ça pour s'en sortir. Donc, forcément, c'est pour cette raison que je reçois les messages. Parce qu'ils ont quand même un esprit ouvert de temps en temps. Quand ils sont hors contrôle, il doit y avoir des moments dans leur journée ou dans dans leur journée où il y a ce moment de lucidité, mais derrière, hop, on les rattrape vite. Il y a quelque chose qui fait qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de leur clarté. Donc ils ont les yeux quand même. Ils veulent ouvrir les yeux, ils savent pas comment. Ils ont peur. Ils ont peur. De toute façon, ils sont en état de mort cérébrale. Ils ne peuvent plus penser, ils ne peuvent plus réfléchir. Ils ne peuvent plus être motivés. Enfin, ils ont l'impression de ne plus pouvoir, de ne pas avoir de solution, de ne pas avoir le choix. On m'a empêché de choisir. On m'a empêché de dire. On m'a empêché d'être moi. On m'a fait peur. Je n'ai pas pu. J'ai beaucoup de aidez-moi derrière. Donc il y en a qui sont pas seulement endormis, il y en a qui sont en souffrance. Vraiment. Allez. Je reprends ma respiration parce que c'est voilà, j'ai une petite baisse d'énergie là du coup. Et je voudrais pouvoir la garder pour finir ce tirage. Bon, est-ce que là on vient de voir ce qui se passait dans la tête, dans le comportement de certains donc citoyens. Pas seulement, pas que les yeux fermés, mais aussi qui ont qui sont sous prise d'un contrôle mental. Il y en a certains qui regrettent d'avoir fait ce choix parce qu'ils ont eu l'impression de ne pas avoir d'autre choix.
Il y en a qui regrettent de ne pas être autant dans le combat parce qu'ils n'ont pas la force physique, non plus la force physique ni la force psychologique pour se battre. Il y en a qui veulent sortir de ça. Alors je ramasse celle-là, mais celle-là je la laisse tomber parce qu'elle est je la laisse là parce qu'elle est tombée toute seule. Bon, est-ce qu'ils vont arriver à dépasser ça? Comment vont-ils arriver? Comment vont-ils arriver à se réveiller? Et comment vont-ils arriver à se réveiller? Est-ce qu'ils vont arriver à se réveiller? Comment vont-ils arriver à se réveiller? Ils veulent pas. Bon, comment. Oh, je sais plus là, je suis confuse. Est-ce qu'ils vont arriver à se réveiller? Les endormis vont-ils arriver à se réveiller? En tout cas, ceux qui ont encore un petit peu de d'énergie, en tout cas ceux qui en ont conscience. Il y a des gens apparemment qui sont conscients, qui dorment, que leurs yeux sont fermés, que ils en ont conscience. Hein, on le voit là. Donc, est-ce que ceux qui sont, on va dire, endormis mais qui en ont conscience vont-ils, est-ce qu'ils vont se réveiller? Je sais pas si ma question elle est. Oh, oula, ça c'est étrange, mes amis. Alors, c'est super étrange. Hein. On va basculer dans un tirage mystère là. C'est super étrange parce que ces deux cartes me disent qu'on leur a promis quelque chose. On leur a promis ça. On leur a promis de traverser la porte vers un monde meilleur. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dans la tête. Et qui tourne en boucle. Ne fais rien, attends. Nanani, nanana, voyez. Ne fais rien, ne bouge pas, ne dis rien. Je te promets un monde meilleur. Ne bouge pas, ne dis rien, ne fais rien. Je te promets un monde meilleur. Et ils attendent le message, go. Pourquoi faire, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas pour de bonnes choses. C'est pas pour de bonnes choses. Alors, quel est ce message? L'oracle des astres. Quel est ce message qu'attendent les endormis pour traverser la porte? Il y a une question d'intuition aussi là. Ah, alors attendez. Ok. En fait, oui, tout se fait, tout va se faire à l'intérieur de leur du fonctionnement cérébral. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont pas recevoir un message physique. Ok, mes amis, ils vont pas recevoir un message physique, ils vont recevoir un message spirituel. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans leur tête, il va y avoir quelque chose qui va leur faire comprendre que c'est le moment de passer là. Je ne sais pas cette porte où est-ce que ça va les emmener réellement, parce que eux, ils pensent que c'est un chemin et un destin plus heureux. En tout cas, tout ce qu'ils font jusqu'à maintenant, on leur a dit, si tu fais ça, si tu fais ça, tu seras récompensé, etc., etc. Et tu le sauras le moment venu. Ces deux cartes-là me disent ça. Tu le sauras le moment venu. Ok? La porte. Alors attendez, je vais réétaler. La porte, l'oracle des astres. Où mène-t-elle? Où mène cette porte? En été, ben, vers des jours meilleurs. Ok? On a la carte de l'illusion là. Ne l'oubliez pas, d'accord? Ne l'oubliez pas. Ce n'est que illusion, d'accord? Mais quoi d'autre? Le partage de quoi? Le partage du temps. Le partage du temps. Le partage, le savoir. Ça, c'est ce qu'on leur a promis. Ce n'est qu'illusion. C'est en boucle dans ma tête. Hein. C'est ce qu'on leur a promis. Ce n'est qu'illusion. Mais c'est quoi réellement? Dis-nous ce que c'est réellement. Là, j'ai encore la carte du message, la carte de Mercure. De Mars. Oh, c'est bizarre, les amis. Est-ce qu'ils vont se réveiller? Ils se réveilleront que lorsqu'ils auront ici un message mental, une intuition qui leur dira: vous pouvez y aller, allez-y, mais où? Où? Vers un monde meilleur, vers le partage, vers le savoir. Attendez encore le message ici, mais là, il y a du combat quand même. Ça m'agace, hein. Je vous le dis que ça m'agace. Hein.
Il y a du combat. Il y a du combat. Je reprends la triade. La triade. Écoute, il faut absolument qu'on sache là où mène cette porte. Que les endormis. Ont en tête, ils attendent un message intuitif, quelque chose qui arrivera spirituellement dans leur cerveau. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça en fait, mais vous m'avez compris. On me dit que derrière cette porte, il y a l'été. Il y a les jours meilleurs. Hein. L'été, c'est le soleil, c'est les vacances, c'est le bien-être. Enfin, vous voyez un petit peu l'été, hein, c'est on se sent bien, on se sent léger. On me parle de partage de savoir. On me parle ici de temps et peut-être du savoir du passé. Et là, on me parle encore de messages avec la planète Mercure. Là, on est dans la communication. On va vous communiquer tout ça. Vous serez dans la communication. Vous serez tous ensemble. Mais là, on me parle de combat, ok? Pourquoi? Alors que tout là, ça va pas trop mal pour eux, on va dire. Hein? À la limite, presque, ils nous feraient croire que leur décision à eux, c'est la meilleure. On sait que non, les amis, on tient le coup, hein? Ne basculons pas, hein? Ce n'est qu'illusion, hein? La carte de l'illusion est là, la carte du contrôle est là, la carte de la fusion, hein? Entre la réalité et le reste est là aussi. Donc, c'est pas bon pour eux, hein? C'est vraiment... Regardez. Moi, ça me fait penser à expérience. Hein. Ça me fait penser à expérience. La réalité, elle est là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent de ces endormis? Ils attendent une obéissance totale pour arriver à leur faire croire à un monde meilleur, mais au final, pour combattre. Donc peut-être devenir, alors j'ai armes dans la tête, hein, peut-être devenir de bons soldats, hein, prêts au combat, et tout ça contrôlé scientifiquement. C'est-à-dire que le mec qui va aller combattre, il saura même pas ce qu'il est en train de faire, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il va prendre son truc, il va tirer, ou il va bombarder, ou j'en sais rien. En tout cas, alors je m'excuse, mais là je vais encore dire un mot un peu bizarre, enfin pas un peu bizarre, mais j'entends. A-T-T-E-N-T-A-T. A-T-T-E-N-T-A-T. C'est bon? J'entends ça là. Hein. J'entends que ces personnes-là, s'ils continuent d'être endormis, ça va être ça. Ça ne va pas répondre à ma question, est-ce qu'ils vont se réveiller? Parce que pour l'instant, ils sont encore dans cette illusion. D'accord, ils sont endormis, mais ils ont des images à l'intérieur d'eux, ils ont des convictions, ils ont quelque chose qui tourne dans leur tête, qui fait que pour l'instant ils ne bougent pas parce qu'ils veulent aller là, ils veulent aller ici au soleil, tranquille, ils veulent qu'on leur partage plein de choses, il n'y aura plus de misère, etc. Qu'on leur raconte la vraie histoire du monde, du passé, etc., machin, ici, avec la planète Mercure dans la communication, personne ne sera laissé de côté, tout le monde aura toutes les bonnes informations, les bons messages, mais voilà ce qui se prépare réellement pour eux, le combat contrôlé par la science, ok? C'est chaud, hein, quand même, hein? C'est chaud, hein? J'aime beaucoup ce tirage, quand même. Oui, c'est un peu un peu bizarre, mais j'aime beaucoup. Parce que les messages sont clairs, nets pour moi. J'espère qu'il l'est pour vous. Donc, restez éveillés, mes amis. Hein, s'il vous plaît, vous avez le droit d'aller dormir. Mais restez éveillés, d'accord? Parce que non. Ah, on va quand même poser la question. Est-ce qu'il y en a qui vont finir par se réveiller, quand même? On va pas aller les laisser partir comme ça au casse-pipe, hein. Parce qu'il y a dans les endormis des gens auxquels on tient quand même, hein, je le rappelle. Hein. Donc après, c'est chacun ses propres décisions, mais bon, quand même. Avec quoi je vais le faire là? Bon, on ne me dit pas non, pas l'oracle des miroirs, on ne me parle pas de ça. On m'a soufflé Tao, mais non, je vais prendre le tarot psychique. On va aller voir avec le tarot psychique. Ça fait longtemps que je parle là. Bah oui, comme d'hab. Allez, le tarot psychique. On veut savoir si les endormis vont se réveiller. En tout cas, une partie. Est-ce que tu peux nous dire ça? Est-ce que tu peux nous
nous faire espérer que les endormis se réveillent et que grâce à eux, voilà, grâce à eux, et puis surtout, enfin, je sais pas, mais qu'ils puissent être sauvés de ce plan machiavélique, parce qu'on en est là, là. Union spirituelle, ils auront des choix à faire. En tout cas, c'est leur choix. Voilà ce qu'il est en train de me dire. Ici, il n'en tient qu'à leur choix. C'est leur propre décision. Presque on me dit on ne peut rien faire. Nous, on ne peut rien faire. À part continuer de partager, dans les sports, d'en sauver quelques-uns. Mais sinon, pour la plupart, ça va être un choix. Ah, ok. Et là, dans ma tête, on me dit, mais comment tu veux qu'ils fassent un choix s'ils sont pas. S'ils sont endormis, s'ils n'ont pas le contrôle sur leurs propres pensées. Ça, c'est pour ceux qui sont à moitié. Où j'ai senti tout à l'heure, avec la carte du pardon, des gens qui savent, mais qui n'ont pas cette force assez grande pour pouvoir s'en sortir. Donc peut-être que ceux-là, dans ceux-là. Donc il y en a quelques-uns, alors je ne sais pas, je ne peux pas vous dire un nombre, hein, mais il y en a effectivement qui vont avoir ce moment de lucidité et qui va devoir faire un choix. Soit de rester sous contrôle, sous emprise, soit d'en sortir. Okay? Donc on me dit quand même de continuer à partager, hein, parce que justement ça peut toucher cela. Ben oui, ça va être un bouleversement pour eux, évidemment, parce que quand ils vont se rendre compte, les cocos, là, que tout ce qu'on leur a promis, c'est que du flan et que du malheur, on la sort souvent, hein, la carte du malheur, d'ailleurs, quand on parle un petit peu de leur projet, de leur objectif, à toute la clique, là, le grand gourou et ses petits machins, là, ses petits sujets. Et oui, regardez ce que j'ai comme carte. Ben oui, on leur a promis ça. On leur a promis ça. On leur a promis récompense et reconnaissance. Alors forcément, tu y vas. Hein, tu y vas. On est d'accord. Mais pour eux, c'est un grand bouleversement quand même. C'est-à-dire de faire ce choix-là, ça va leur demander énormément. Hein, énormément. Pour l'instant, ils sont prisonniers. Pour l'instant, ils ne bougent pas. Et quand arrivera le moment de faire ce choix-là, ça va être quelque chose. Ça va être assez. On me parle victoire et succès là, c'est pas mal. Donc ça veut dire que quand même, ceux qui sont prêts à être réveillés, ils vont se sentir un petit peu comme ce personnage-là, c'est-à-dire fort vainqueur et de nouveau maître de ses actes. Hein. Il sonne tout seul sur sa corne de je sais pas quoi d'ailleurs, de la victoire, pour sonner victoire. Donc voilà, pour ceux qui vont réussir à se réveiller, ça va être quand même. Ils vont se rendre compte qu'ils ont fait le bon choix, en fait. Même si au départ, ça va être bouleversant, ça va leur demander beaucoup d'efforts, parce qu'au final, ils ont à choisir entre continuer à vivre la vie là qu'on vit avec l'inflation, enfin, je ne vais pas vous faire la liste. La récompense et la reconnaissance qu'on leur a promis s'ils obéissaient. Donc effectivement, ça va être quelque chose d'assez douloureux, d'assez pénible pour eux. Mais en tout cas, ceux qui vont réussir à dépasser ça, à se dire, bon ben, quitte à être, j'ai envie de dire, pauvre et pas récompensé, hein, pas reconnu, je préfère encore. Être maître de mes actes et tout ça, et de mes pensées. Ici, j'ai quand même la carte qui est sortie, succès triomphal. Ça veut me dire que lorsque les gens vont se réveiller, en tout cas une partie de ces personnes-là qui vont avoir ce moment de lucidité et le moment où ils vont faire le bon choix, ils vont être à nos côtés et notre groupe à nous, à nous, vous savez, à tous les gens qui sont réveillés, ça va leur apporter aussi une espèce de la reconnaissance, hein, en disant ça y est, voilà, tu fais partie de notre côté et ensemble, on va continuer le combat et nous allons gagner, mes amis, nous allons gagner, ok? Allez, encore une, histoire 2, parce que là, je suis sur du 5 cartes, j'aime pas trop.
Cinq cartes, pour moi, c'est déséquilibré. C'est le conflit. Allez, encore une pour terminer. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur les personnes qui vont se réveiller, qui vont se rendre compte que ce qu'on leur a promis, c'était qu'illusion et malheur presque, hein, puisque quand même combat et puis expérience scientifique, c'est pas top top, hein. Et être sous contrôle. Donc j'aimerais bien en avoir une sixième là pour conclure ce tirage. Oh. Je vais pas faire ça pendant 2 heures, hein. Je vais finir par avoir mal au bras là, aux mains. En plus, elles sont grandes ces cartes. On va prendre de l'autre côté. Allez, encore une. Non, j'arriverai pas de l'autre côté, elles sont trop larges. Allez, encore une ou deux fois. Et sinon, j'irai la pioche. Ok? Une petite conclusion, oracle psychique, s'il te plaît. Nous avons récompense et reconnaissance, union spirituelle, donc un choix, un grand bouleversement de pouvoir choisir, mais à la fin, victoire et succès et un nouveau départ avec. J'ai encore des. Ah, d'accord, ok. Donc là, j'ai la carte de choisir avec sagesse. Ça veut dire que les personnes qui auront fait ce choix-là ne reviendront pas sur leur décision. Ils auront choisi des deux côtés, on me dit des deux côtés. Peu importe. Que ce soit du côté on continue d'être contrôlé, ou que ce soit de l'autre côté, donc je ne veux plus être contrôlé. Dans les deux cas, ils auront fait leur choix avec réflexion. Ils auront bien réfléchi. D'accord? Ceux qui pensent que leur choix. Enfin, chacun des deux côtés, j'ai envie de vous dire, vont penser qu'ils ont fait le bon choix, que ce soit du mauvais côté ou du bon côté. Du bon côté, je peux confirmer qu'ils auront fait le bon choix, hein, mais ce n'est que mon avis personnel, les amis. Voilà. Donc ça va se réveiller, les amis. Ça va se réveiller. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, ça suffira pour nous amener au succès. D'accord? Ça suffira pour que notre grande communauté d'éveillés s'agrandisse, pardon, et nous amène au succès. Moi, c'est ce qui m'importe. En tout cas, je suis très contente de ce tirage parce que je pense qu'il nous a apporté de bonnes réponses. J'ai eu de bonnes sensations, des sensations un peu plus tristes, un peu plus. Ouais, bon, bref, un petit coup d'énergie un peu basse parce que j'ai réussi à être connectée avec ceux qui sont en ce moment dans la lucidité, qui sont presque à ça d'être réveillés, donc c'est bien. Voilà, donc je vous rappelle ma petite idée de cette diffusion d'informations par mail. Ok, on m'envoie un mail, le mail est dans ma description, vous mettez un petit mot, je suis, vous mettez votre pseudo. À côté, j'accepte d'être dans la liste de diffusion et de recevoir les informations de Angèle Tarot. Moi, je crée une liste et une à deux fois par semaine, je vous envoie les infos que j'ai recueillies. Et puis vous, pareil, du coup, hein, vous pouvez m'envoyer à moi, enfin voilà, sur mon mail aussi, peut-être des compléments d'infos que j'aurais recueillis, peut-être d'autres infos, et au moins on se le fait un petit peu en catimini, on le sait, d'accord? Ci-dessus, ces infos, il y a la possibilité de sortir un sujet de tirage, eh bien, tant mieux, j'ai envie de vous dire, hein? Mais comme ça, au moins l'info, elle sera pas censurée. Tout simplement, parce que si je le fais là-dessus, c'est pas possible. Je sais que sur Tweet et VK, c'est un peu plus libre, on peut partager plein de choses, mais je sais que vous n'y êtes pas forcément, vous n'êtes pas forcément sur les réseaux sociaux, donc c'est pour vous un petit peu vous informer lorsque vous ne pouvez pas aller sur les réseaux sociaux. Ok? Je vous embrasse très fort, mes amis. Oh, 39 minutes, ben oui, dis donc, Angèle. Et je sais pas si vous êtes encore là jusqu'à la fin. Des fois, j'ai toujours peur de parler toute seule, mais je sais qu'il y a des résistants et des résistantes qui vont jusqu'au bout de mes vidéos. Vous avez une force et un courage fabuleux, mes amis. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. On continue, on résiste, on y croit parce que ben, ceux qui sont. À ça, d'être réveillés, ils ont aussi besoin de nous. Ok? À ciao, à demain. Bisous, bisous.